Bonjour à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi on va jouer, les filles? Aujourd'hui, on va jouer à un jeu. Un jeu qui s'appelle Il était une fois. Et là, derrière, Green Box. Et là, derrière, il y a des petites questions. Dan, tu fais quoi? Il est trop beau. On va voir ce qu'on découvre dedans. Il est trop beau ce dé. Ce jeu. Oups, j'avais mal au fait. Nous avons des cartes différentes avec différentes images. Le sablier. Et mince. Le sablier, le petit sablier. Montre-moi. Il coule très vite le sablier. Oui, c'est 10 secondes. Le sablier. Dure que 10 secondes. Mais ça devient pas comme les autres. Le dé. Oh, il est trop beau ce dé. Donc, le but. Est-ce que l'une d'entre vous connaît le but du jeu? Oui. Ah, vas-y. Donc, le but du jeu, c'est on prend une carte, on la regarde bien, après on la passe. Tu la regardes bien, je crois, pendant 10 secondes, parce que tu es chronométré pendant 10 secondes pour bien la mémoriser, bien mémoriser l'image. Oui, et après? Après, je la passe à mon adversaire. Après, elle doit lire la question. Non, je vais lancer le dé si j'ai 4. Elle doit me poser la question 4 et je vais lui répondre. Voilà. Elle doit plus donc, en fait, oui. Voilà. Bon, l'image, c'est vrai que j'ai montré que l'image, mais l'image. Voilà l'image. Et voilà les questions qui se situent derrière l'image. Un, deux, trois. Allez, Assa, regarde bien ton image pendant 10 secondes. Alia, quand c'est fini, tu dis top. Hein. Top. Tu lances, pardon, le dé. Attends. Deux. Alors, tu dois lire la question 2. Je vais la lire à ta place, puisque tu ne sais pas lire encore. Peter Pan est-il sur le pont? Oui. Non. C'est pas toi qui réponds, c'est moi. Non. Oh, Peter Pan n'est pas sur le pont. C'est très bien. Oh, tu gagnes la carte. Ouais. Noubi. Merci. C'est à toi de piocher une carte maintenant. Tu dois pas la regarder. Arrête. Oui. Tu dois la regarder. Allez. Ouais, alors regarde. Allez. Regarde-la bien, hein. Tu regardes bien tous les dessins, comment tout est fait. Je sais. Toi, c'était Peter Pan, hein, Sia. Et toi, Ruby, c'est quoi? Pocahontas. Pocahontas. Tu l'as bien regardé? Regardez. Ah, je vais lire la question. Tiens. Il faut la mettre comme ça. Pocahontas. Donc, Ruby, tu lances le dé. Vas-y. Asia, c'est la question 3. De quelle couleur est la plume dans la coiffure de Pocahontas? De quelle couleur est la plume dans la coiffure, de Pocahontas? Je sais pas. Quelle couleur? Bah, d'une couleur. Jaune. Jaune? Non, elle était violette. Violette? Bleu. Non, j'ai confondu avec Peter Pan. Bon, ben, tu ne gagnes pas la carte, tu la remets dans le paquet, chérie. Ah, oui, mais c'est comme ça. Allez, c'est la règle du jeu. À la prochaine fois, tu vas gagner. La prochaine fois, tu gagneras, t'inquiète pas. À toi, Alia. Un, deux, trois. Regarde bien comme elle est. Elle est dure. Hein. Wow. C'est quel thème, hein? La petite souris? La petite souris. Oh. Non. Si.
dessin de table. Non. Parce que moi, je voulais ma carte. Tu l'auras, ta carte. Aïda, tu lances le dé pour savoir quelle question. La numéro 2. Alors, de quelle couleur sont les cheveux de l'enfant? De quelle couleur sont les cheveux de l'enfant? Essaie de mémoriser l'image dans ta tête. Oh, regarde, maman. De quelle couleur sont les cheveux de l'enfant? Vite. Perdu. Noir. Oui. Tu gagnes la carte. Elle a perdu, t'as dit. Non, non, elle l'a dit juste au moment où le dernier grain de sel est tombé. Non, j'ai bien regardé. C'est très bien. C'est très, très, très bien. Assia, à toi. Regarde juste là. Tu me dis quand tu es prête que je mette le sablier. C'est quoi? Faut dire ce que c'est. C'est Pocahontas. D'accord. C'est bon. Lance, donne-moi. Du coup, c'est toi qui me prends. Lance le dé. Que tente d'atteindre Pocahontas? D'être l'ami de John, là, de son copain. D'être l'ami de John. Pocahontas devient l'ami de John Smith. J'ai gagné. Moubi, à toi. J'ai gagné Pocahontas. Moubi, pioche une carte. Regarde, mon petit Pocahontas. Allez. C'est quoi le thème? Essaye de dire le thème. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Allez, regarde bien l'image. Hein, comment elle est faite. C'est bon. Top. Moubi, tu me donnes la carte? Je peux lire. Je vais le lire si tu veux. À la suite, vas-y. Bah, tu vas l'aider parce qu'elle sait pas. Allez. Quel est le nom du garçon? Ah oui, la fille. Non, comment s'appelle le garçon? Je sais pas. Kay. Kay. Bon, c'est pas grave. Kay. Remets dedans. Non, mais c'est pas grave, Loubi. Je prends la première. Oh mon dieu. Un, oh, deux, non. Trois. C'est quel thème? Le magicien d'Oz. Top. Tu vas lancer le dé. Je lance le dé. Vous attendez que j'ai fini quand même, hein? Il est chez nous. Pose la question et après je mets le sablier. Dorothée porte-t-elle une robe bleue, verte ou rouge? Dorothée, est-ce qu'elle porte... Bleu, est-ce qu'elle porte une robe bleue, verte ou rose? Bleu. Oui. C'est normal, regardez là. C'est pas bien, hein? Bah non, bah on la récupère, tant pis. C'est à moi de piocher le cœur. Allez, à toi. La Belle et la Bête. Ouais. Montre-moi. Moi, oui, il faut aussi que... Voilà, la Belle et la Bête. Assia, je te laisse prendre le temps en 10 secondes de bien la mémoriser. Top. Allez, le dé. Je pense pas que les questions te donneront combien il y a de roses. Si, ah bon, ça, c'est une question qui est un peu complexe, celle-là. Allez, vas-y. 3. Ania, tu mets, tu retournes le sablier. Tout de suite. 1, 2, 3, vas-y. Quelle est la couleur principale de la veste de la Bête? Bleu. Ouais, c'est bon, on a gagné. Loubi, à toi. C'est ça, c'est toujours bleu, même dans le film. Loupi, à toi de piocher une carte, chérie. Tu as eu la même que moi. Tu tournes quand je te le dis. Allez, tourne. Oh, regarde bien. Elle est trop belle. C'est Cendrillon. Elle est magnifique. Attends, je dis ça. C'est la plus belle. Regarde, c'est à toi de regarder, c'est pas à moi. La bonne fée de Cendrillon. Stop. Tu donnes la carte à Assia. Tu t'occupes du sablier, Alia, quand je te dis. Loubi, le dé. Vas-y. Ah non.
T'as fait combien? Oui. Qu'est-ce qui a été transformé en carrosse? Retourne le sablier. Qu'est-ce qui a été transformé en carrosse? C'est la citrouille. C'est pas grave. Allez, viens, Loubi. Loubi est pas contente, elle se cache sous la table parce qu'elle gagne pas les cartes. Allez, viens avec nous, on joue ensemble. À toi, viens. À moi? C'est quoi? Le petit chaperon rouge. Allez, Alia, on te laisse 10 secondes pour regarder. Quoi? C'est fini. Tu me donnes la carte? Je peux aller, maman. Donne-lui le dé. Je vais lui dire, chérie. Le dé. Ma question numéro 2. Peux-tu citer un produit dans le panier? Quoi? Le petit chaperon rouge, il a emmené avec lui un panier. Il y a des choses dedans. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il y a dedans? Une galette et un petit beurre. Non. Ah, je sais. Une galette et une bouteille. Oui, il y a une bouteille, mais il n'y a pas une galette, c'est du pain. T'as perdu. Ah si, on l'a gagné, elle a dit une bouteille. Tiens, hop, Asia. Attends, bah on fait comme ça et comme ça. La reine des neiges. Ton? Oui, enfin non, remarque. Oui, ben non, mais vaut mieux faire comme ça, oui. Mais Maurice là, bah y a pas qu'une question. C'est bon? Top! Lance le dé. Je fais ça. Ouais, lance le dé. Si, si, elle va le faire, c'est très bien. Attends, d'abord, je lis la question. Le garçon porte-t-il un chapeau? Vas-y, oui! Vrai? Oui, il est vert. C'est un chapeau? Je dirais que c'est un bonnet, hein? Oui, moi j'avais un bonnet, mais c'est pas. Ah, Loubinouf, tu as une carte, Loubinouf. J'aurais gagné 4 récompenses. Un petit poussé? Comment ça s'appelle? Le petit poussé. Tu peux tourner le sablier. Regarde bien, Loubi. Hein. Non, ça pousse que... Stop. Ok, merci. Stop, Luna. Stop, Loubi. Alors, Loubi, c'est quoi que tu vois, là? La question numéro 2. Il y a 2. Allez. Fait-il jour et nuit? Loubi. Fait-il jour ou nuit? Est-ce qu'il fait jour ou nuit sur la carte? Nuit. C'est vrai que c'est nuit. C'est 4 points. Oh, vas-y. Non, vas-y. Ouais, d'accord, mais vas-y, regarde, je la prendrai après. Regarde bien. Montre. C'est Mulan, non? Ah oui, c'est Mulan. Top. Mais qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux le voir? Ah oui! Pocahontas, c'est Mulan, c'est pareil. Le dé, prends ton dé, Alia, et puis... La numéro 6. À quoi veut ressembler Mulan? Aux cheveux noirs? Non, à quoi elle veut ressembler? Elle veut ressembler à un samouraï. Samouraï, ben oui, dans le film. Si tu te rappelles le film, elle veut ressembler à un samouraï. Un homme.
Ouais, mais elle, c'est Alia, c'est marqué là, mais elle sait pas lire, donc elle a pas pu prendre compte de ce qui avait marqué en dessous. Elle veut se ressembler. Mulan se coupe les cheveux pour ressembler à un homme. Donc Asya est la vainqueur. Allez Loubi. Ah ah. Et voilà une petite tête qui revient. On dit au revoir.